Yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons Carthage. Un début d'épisode un peu chaotique, et possiblement le micro qui s'est à moitié cassé la figure. Ça c'est, voilà, c'est anecdotique. Alors oui, ça y est, ça me revient, on avait commencé à faire l'invasion de l'Italie et de l'Italia et de la Magna Grecia. On avait fini l'invasion de la Magna Grecia, d'ailleurs. Et on va peut-être faire des bâtiments pour que ça se passe un peu mieux en Magna Grecia. Et apparemment, bon, c'est un peu le dawa, quoi. Ah ouais, j'avais perdu énormément de troupes de ma flotte, les enfants de Sidon. Ça, c'était... Ça, c'est pas fun. Ça, c'est le côté moins fun, tu vois, c'est... Les choses, ça va, il y a des choses, c'est moins fun, là, c'est le côté moins fun. Il y a du Spartiate de l'autre côté de la mer. Est-ce que j'aurais pas dû le laisser à Brindisium et aller chercher Néapolis? Laisser ma flotte à Brindisium et aller chercher Néapolis, ça aurait peut-être pas été une mauvaise chose. Ils sont combien, à Rome? 20? 20? Et ça meurt pas de faim? Trêve de plaisanterie, je vais aller à Syracuse avec l'héros des 104. Je sais pas pourquoi 104. Ici, ok. Ah bah d'accord, ils sont barrés et ils vont perdre repère de Tingis et Garida, tout ça pour reprendre Numantia. Ils font des échanges à l'amiable, les Massiliens et... Carthago Nova. C'est un peu chelou. Je comprends pas tout ce qui se passe, mais bon, bah pourquoi pas. Alors, est-ce que j'ai un accord avec eux? Non. Et eux, ils me... Voilà. Accord commercial. Oh, découvert les Séleucides. Ah oui. Oh, les Séleucides toujours en train de se taper contre la moitié du monde connu et la totalité de leur monde connu. Oui, on va, je voulais savoir si... Non. Les Spartes, ils me kiffent, mais ils m'ont... Ouais, bref. Ok, oh la vache, ça va faire d'autorité. Hein. Ah. T'as les populistes qui vont encore faire une rébellion, quoi. 32% de risque de sécession, et ils sont où les populistes? En Magna Grecia, ouais d'accord, en plus ils sont pas chers quoi, ils prennent la plus grosse province que j'ai quoi. Ils vont vite, on va vite les... Vous savez quoi les populistes, faites votre rébellion, là, de con là. Que je vous défonce une bonne fois pour toutes. Que je les défonce une bonne fois pour toutes et que je fasse en empire ou en royaume. Oui. Commence à me gonfler un peu là. Carthago Nova, vous me gonflez aussi. Nova Carthago, je sais pas. Mettez ça dans le sens que vous voulez. Faction contrée, les Suèves. Faction détruite, Confédération Celte. Pourquoi pas? Oh, centième tour? Yeah. Ça c'est dangereux.
Ça, c'est très dangereux, ça. On va pas les laisser partir en mer comme ça. Donc, je vais prendre les troupes de Brandisium et je vais aller à Néapolis. Et je sais pas s'ils mourront de faim avec ça, mais à mon avis, ils seront pas très très bien au niveau de la nourriture. Et au pire, j'ai des espions à ramener. Bah, tu sais quoi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Je vais ramener mes espions. Les deux à Rome, histoire de les faire bien mourir de faim. Coucou Ibu, ah bah j'ai plus de thunes. Donc comme ça, c'est vite fait. Toi. Tu vas également aller à Rome. Tu vois. Oula. Ah bah j'ai fait le plein d'or là, c'est génial. C'est trop bien. Ça rien à secouer, ça rien à secouer, ça, ok. Et tout ce qui donne de la culture. Il y a des revenus de culture. Ça dit rien du tout. On va faire que des hôtels de Balhamon. De toute façon que ça va se finir comme ça. Hein. Ah ouais, j'ai un général ici. Trop cool. Ah. Oh. Merde. Là, vous savez pourquoi je dis merde. J'ai mon chef de faction. Ici. Je vais certainement perdre mon chef de faction. Ah, j'ai pas de cavalerie. Ils ont des onagres. Et ils vont venir de partout. Aïe 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 aïe. En plus les hoplites ils sont moyens. Ce serait des hoplites lourds, je dis pas. Là ce sont des hoplites moyens. Nah. Là je vais les planquer là. Je sais pas d'où vont venir les renforts, mais je les mettrai certainement là. Là c'est pareil, qu'est-ce que je fais de tout ça? S'ils dépassent, ils vont se faire pilonner et... Et si je les planque trop, ils vont servir à rien. Ouais, je vais attirer les tirs avec la populace. Désolé les gars. On va faire bien attention. À savoir d'où viennent les renforts. Et qu'est-ce qu'il y aura en premier? Ok, ils viennent de là-bas. Ma question est... Putain, la baliste. Ah, ils viennent de deux endroits. Ah, ils viennent des opposés. Wow. Wow, ça va être compliqué. De la cavalerie, il y a l'air d'avoir de la cavalerie là-bas. Ici, il n'y a pas l'air d'en avoir. Là il y a un général, cavalerie, il y a de la cavalerie mercenaire, je vais envoyer ma cavalerie sur la cavalerie. Dis-moi qu'il n'y a pas d'onagre, juste ici s'il vous plaît. Oui. Il y a deux unités de cavalerie, ok. Je vais faire venir mes éléphants là. Oh, putain. Je les ai totalement zappés d'oublier de bouger là.
Bon, le bon côté de la chose, c'est qu'on va les accrocher là. Donc si les onagres ils me tirent dessus, ça va pas être bon pour eux. Enfin pour mes pour ses troupes à lui. Là je vais mettre les hoplites. J'ai encore un peu le temps. Non j'ai plus le temps, là je vois une petite cavalerie là. Que j'ai totalement pas vu. Hop, j'emporte ça. Je les mets là. Attends, je les ai mis dans quel sens? Non, parce que je suis à peu près sûr de les avoir mis à l'envers. Alors, on va mettre juste une pause là. J'ai besoin de bien les poser, j'y arrive pas. Leur dire mettez-vous voilà et éléphant donc général contre général éléphant contre cavalerie alors normalement ma cavalerie les explose on fait pas dans la demi-mesure on a déjà plus de la moitié de leurs troupes qui sont foutues. J'inspire, je fais des dégâts. Et là, je dois absolument pas les laisser passer. Ok. Là, il y a la cavalerie. Heureusement, j'ai mes... Oh merde, qu'est-ce qu'ils font là, mes javelots, sérieux. Là, j'ai bien envie de les faire aller sur les onagres, donc je vais leur demander de faire le tour. Tirer sur les hoplites étrusques, s'il vous plaît. Une Soki Kutes extraordinaire, ce sera mieux. Ok, ça se passe, ça se passe. C'est quoi ça? Ouais. Faire un coup de ça. Faire bouger les éléphants histoire de faire un peu plus de dégâts. Là, on va demander à la plèbe d'aller à fond sur les onagres. Et là, je vais demander de faire un petit tour. Le petit tour avec ces unités-là. Ici, ça donne quoi? Ça donne pas grand-chose. Ok, ça c'est bien. Je vais demander à mes éléphants de faire le tour et de charger par l'arrière. Donc eux, j'ai pas besoin de les faire charger. Par contre, je veux juste qu'ils passent pas par là au cas où. Donc je vais bloquer le passage ici. On va vraiment pas qu'il passe par là. Là, je temporise comme je peux, hein. C'est vraiment pas terrible, mais bon. Et il court déjà la populace, oh, putain. Là, s'il pouvait se grouiller un peu, je voudrais terminer ce round. Là, je vais changer de sens. Et en plus, réellement le besoin de... Ouais, là, elle marche, la populace. Hein. Ouais, elle marchait totalement. Là, mais j'ai mes éléphants qui font un carnage. On va lever la bannière, on va inspirer pour faire des dégâts supplémentaires. Encourager le groupe. Ils sont tombés. Impeccable. On recharge derrière. Pendant que là. Là, ils essaient de tirer. Je sais pas trop quoi. Mais dans la ville, c'est un peu compliqué pour le onagre. Putain, il y a des renforts qui viennent encore de là-bas. La cavalerie en plus. Le jeu n'avait pas la possibilité de mettre toutes les unités. En maintenant, donc là je vais faire ressortir les éléphants et je vais les faire re-rentrer dans le tas. Là ça va faire un
Un bon gros bordel. Le souci. Oh merde, le souci c'est là-bas. Et il pourra attaquer par l'arrière. Là ça va pas être bon du tout. Là ça va être très mauvais. Ah oui d'accord, ouais, il tire sur lui. Oh, ouais. Je vais faire traverser mes éléphants, j'ai pas trop le choix là. C'est vraiment pas bon ce que je vais faire parce qu'ils vont se prendre en plus une salve normalement. Ouais, regardez. C'est quoi cette charge pourrie là? Ok. Je demande à mes éléphants de se replacer maintenant. Ouais, c'est bien fermé cette zone. Là, j'ai quelques hoplites qui restent. Que je vais emmener là. Et là, je vais demander à mes javelots de se mettre ici et de faire feu à volonté. Mon général, lui. Le but, c'est de faire le tour en espérant que la 7 tienne encore un temps. Là, je vois deux unités. Ça a l'air d'être deux unités de cavalerie. Elle est où? Non, ça c'est une maison. Neves. Merde. Pour les éléphants, ça peut ne pas être cool. Là, ils ont réussi à s'en débarrasser. Il est où? Ils sont là, les balistes. Ok. La plèbe a réussi à se débarrasser de l'unité hein, quand même. Hein. Je tiens à le souligner, les gars. Là, ils font le tour, ça me va. Astati, Hoplite. Ah, Hoplite. Astati. Ça va être tendu, les gars. Là, je vais devoir utiliser nos ruées. Fatigue. Ils sont actifs. Ouais, il n'y a pas de suite fatigué avec la ruée. Mais sans ça, je vais avoir des dégâts très limités. Pour l'instant, ça tient à peu près. Ruée. Faire une concentration des forces. On va les rallier, le but c'est de faire un maximum de dégâts. Ah, ils sont devenus fous. J'ai mes éléphants qui sont devenus fous. Non, non, partez pas là. Pourquoi ils vont de plus loin? Aïe. C'est dommage, ma ruée elle était belle. Après le but au moins ils vont faire des dégâts, hein. Là je suis à 914 victimes. Juste avec l'éléphant, c'est... Là, Astati. Tout faire tirer sur les Astati. L'unité la plus derrière. Lève la bannière. Là, ils m'ont chargé, c'est pas une bonne nouvelle. J'essaie de traverser, mais... leurs unités étant lourdes, j'ai du mal à passer. Ils bloquent bien mes éléphants. Là, ils ont le moral en berne, en vrai. Un qui se barre et ça peut partir vite. Tiens, pour l'instant, mais ça va pas tarder à lâcher. Allez, les levesses, c'est pas la bonne idée. Hein. Je peux pas du tout bouger là par contre. Hein. Là c'est vraiment embêtant. C'est que je peux pas bouger du tout. Et ils font pas beaucoup de pertes parce que bah y a pas de charge. Donc je vais perdre mon général à mon avis là. Il va être en danger. En grave danger. Je vais tenter une charge là comme ça, mais. Vous voyez lui là, il est totalement bugué, il essaie de rentrer dans le mur, je sais pas trop pourquoi. Et il attend ses unités derrière, là, je sais pas ce qu'il fait lui. Projectile à votre service. Arrêtez. Éléphant de guerre.
Je vais essayer de faire traverser mes éléphants, mais j'aimerais surtout sauver mon général en fait. Parce que là, ça passe pas bien quoi pour lui. Je sais même pas s'il est en vie encore. Mais ils sont pris les Leves. Ouais. Je viens de perdre mon général là. Il aura fait des beaucoup de victimes. Mais là, le moral, il en a pris un sacré coup. Ouais, ouais. Là, on était trop dans un coin fermé avec les maisons et il n'a pas pu. Il y a une trop grosse concentration de troupes ennemies. Ils ont pas pu se barrer. Bon bah je viens de perdre mon général Sniff. Je viens de perdre mon dirigeant de faction aussi, Sniff. Là c'est tendu. Hein. Ah oui d'accord, oui. Ah lui il se prenait même des tirs de... Bah tiens bah... Essaye donc de tirer sur lui, tu vas voir. Là c'est pas bon. Je vais essayer de grossir un peu les rangs corps à corps. Et ressortir les unités qui sont corps à corps, qui ont encore des munitions. Ils ont des pertes, mais les... comment il s'appelle ? La populace aura pas réussi à éliminer entièrement la baliste. Donc là, hop, je vais aller là-bas et je vais essayer d'aller chercher la baliste. Ça fera toujours ça de perdu, au moins plus pour lui. Lui, je vais aller là-bas et je vais attaquer par là. Oula. Oulala, que dalle. Je vais pas aller là-bas et je vais pas attaquer par là-bas. Là, il me reste plus que deux unités de hoplites. Bah, ça commence à être la débandade. Là, je vais aller au corps à corps. Parce que lui, il va pas tenir. Voilà, ça tient pas du tout ici. C'est la débandade. C'est la débandade. Oula, c'est très la débandade. Là en plus ils vont être encerclés, ouais, ça va être... Je l'ai pas vu venir, j'aurais dû recruter du mercenaire, mais je l'ai pas vu venir du tout. Je me disais pas qu'il allait... Il allait totalement quitter Rome. Parce que là, je crois qu'il a fait sortir ses troupes de Rome, en fait. Hein. Mais bah, j'ai des troupes à Néapolis, juste au sud de Rome. Et en fait, là, je vais prendre Rome. Donc, je comprends pas. Là, je lui ai fait perdre quand même. Allez, on a un bon ratio, quand même, hein, malgré la défaite. On a un très bon ratio. 1 pour 2. On lui a fait perdre la moitié de ses troupes. Et Rome devra tomber hein, avec ça. Il n'a pas le choix. Hein. Plus je perds mon... Et mon dirigeant de faction et mon entraîneur, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là c'est vraiment une lourde perte. Il retourne à Rome. J'espère que je l'ai assez esquinté.
Parce que si je l'ai pas un 16 quinté, là c'est une défaite cuisante pour rien du tout. Enfin cuisante, non, c'est une défaite pour rien du tout. Et ouais. Sniff. Ah, c'est Beaustar qui prend le... Qui devient le nouveau chef. Il est où Beaustar? Il est là. Là, c'est un rusé. Je crois que j'ai un autre général avec qui j'ai augmenté l'autorité, non? Bah, j'étais persuadé, merde. Il est peut-être mort aussi. Évidemment, les autoritaires, c'est peut-être pas le bon. Peut-être pas de bol, quoi. Attends. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Ah oui, d'accord. Bon, ils sont combien à Rome? Ils sont 12. On va faire le siège. À l'assaut de la colonie. Comment puis-je vous servir? Voler de la nourriture. Là, on arrive également en territoire romain. Ouais, mais là, oula, il y a de la troupe. Il y a beaucoup d'honneur à servir. Un homme verra ce qu'il verra. Donc, ce qu'on va faire. Oh, en Italie, là, j'ai plus de. Ah oui, d'accord. Oui, si, d'accord. C'est qu'on a de l'or. On a de l'or et une vengeance à prendre. Donc. On les illumine pas sur les moyens. Voilà. Et là. Qu'ils viennent nous chercher. Ils peuvent essayer. Y a pas de problème. Qu'ils essayent, y a pas de souci. À mon avis, essayer n'est pas gagner, comme dit l'adage. Je vais intercepter les géants. Voilà, faut pas déconner. Là-bas, ça se passe pas très très bien pour Nova Carthago. Qui a reperdu bah, tout. Compliqué. Bon, essaye de se défendre. Ils ont raison d'essayer. Oh, ils auraient pu attendre le tour d'après, par contre. Donc, ils ont pas raison d'essayer. Rome était pauvre, donc on va pas la capturer. Hein. Enfin, on va pas la piller. On m'aurait proposé 10 000 pour le pillage. Ah, j'aurais peut-être réfléchi là. On m'aurait proposé 3 000. Vu que je fasse avec 3 000, je peux même pas. Je peux même pas construire un champ avec 3 000. Je peux même pas construire le meilleur des champs d'élevage. Rome est moins riche qu'un champ d'élevage quand même. Hein. Carthage a fait tomber Rome. Oh putain, j'ai perdu un espion. Non. Non, la blague. Bon, là, ça va tomber tranquillement.
Là, on va peut-être devoir jouer un petit peu en manuel. Merde, c'est des pierres classiques que je peux leur balancer parce que ouais, ça reste deux tirs. J'ai moins de navires, ils sont censés pas être très terrible, terrible. Mais bon, bah ils s'en sortent pour l'instant, pas trop mal. Ils s'en sortent même plutôt bien. On va les avancer, hein. Vu qu'ils veulent pas avancer, j'avance moi-même. Bon bah voilà. 2 minutes 47, c'est pas un record. Mais c'est un bon score. Et puis ça fera toujours autant de troupes à libérer qui font de l'argent. En 1216, hop là. Alors on va quand même faire attention, si ce sont des troupes à pied, ça peut faire mal rapidement. Toi tu te débrouilles. Crise de sécession. Oh. C'est pas le moment, hein. C'est vraiment pas le moment de faire une sécession. Ouais, bon. Hélas, j'ai pas la portée du tout. Bon, une troupe direction Réminium. Et prochain tour direction Valatry. Comment puis-je vous servir? En route, au nom de Carthage. À vos ordres, monseigneur. J'ai pas sauvegardé. Là, il leur reste quoi? Il meurt de faim en plus. Il meurt de faim. Ça m'arrange. Hop. Là on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Ça ok. Voilà. Je vais pas améliorer ça vu qu'il y a des risques de sécession. Les bâtiments ils seront... ils seront... Ils continueront pas d'être... construits donc ça m'intéresse pas. Hop, là, moi, je vais me mettre là, entre les deux, au cas où il y a une sécession, justement. Oh, il y a des troupes, là, qui vont vers Tingis. Hein. Ah, je peux améliorer Yol. Un peu de bois. Pas dire non. Mes navires ne seront que plus costauds. Je sais pas s'il peut débarquer Sparte. Oh, Rome qui propose un traité de paix, qu'il est mignon. Bah non. Bah ça fait de la troupe tout ça. Oh, ça va être tranquille. Oh. Ça par contre, je sais ce qui va se passer ici. Les Suèves, on sait ce qu'ils veulent. Hein. Bon, là, le souci est toujours le même. Vérifier d'où viennent les renforts et s'adapter en fonction d'où viennent les renforts. Nous
Là ça va, on sait qu'il y en a que les 4 ils sont là. Mais les renforts, en plus j'y vois que dalle sur ma minimap. Elle est ultra sombre et en plus j'ai rien de soleil dessus. Ok, ils arrivent de là-bas. Là c'était... non, pas de minimap. Moi aussi je vais essayer de m'amuser. Ils sont rapides hein. Parfait. Ensuite, on se replace et on va les attendre. On se replace comme ça d'ailleurs, ça évitera de faire des demi-tours chelous là. Allez, d'une heure les gars. Pendant que c'est des bouchons là-bas, pendant que c'est le périph' parisien. Accélérer. Non, non, je peux pas les bouger. Voilà. Non mais Sparte aura tenté quoi, c'est bien. En vrai, s'il y avait bien un moment de faiblesse là dans... que je suis obligé d'avoir, c'était maintenant, donc... sur la fin de la conquête de l'Italie. Il a raison d'essayer. Disons que s'il y a un moment où je suis censé être faible, c'est vraiment là quoi. Donc c'est le moment ou jamais. Ok. Oui, ce serait bien d'être sur lui maintenant. Ok. Maintenant sur le dernier, s'il vous plaît. Soyez piqué Spartiate. Des Spartiates avec des piques. Oh, tout. Quel est l'honneur de se battre comme ça. Avec des pics, en formation piquée. Pour des spartiates. Je vous le demande, messieurs. Dames. Messieurs. Dames, mais je suis pas sûr. Hop, merci d'être passé en tout cas. Oh, des thunes. Génial. Espion de rang supérieur, je vais aller prendre Velatri. Pendant que mes troupes rentrent défendre Rome. Là, je fais... bien joué les gars. On reprend nos conquêtes. On reprend, voilà, que l'on avait conquis précédemment. Alors c'est quoi les 10 ? Collecte des impôts ? Oh la vache, ah ouais, je vais collecter salement des impôts ici. Hein. Sauf si... Ouais, on va collecter salement les impôts ici. Quelques troupes suèves, on se méfiera au cas où. Ah oui, mais... Non, ça va, le risque de sécession, il baisse. Par
contre, je voudrais quelqu'un pour adopter. J'ai personne pour l'adopter. C'est embêtant. Ça devait être Anon qui avait lu. L'autorité, je crois que c'est ça. Je crois que c'est Anon qui avait l'autorité. Dommage. Bon, bah, ça va être lui. Lui, c'est qui? Bah, ça va être toi. Hein. Écoute, tu vas partir sur l'autorité. Attends, t'en as pas. Merde. Ah ouais. Ah ouais. Moins de 5. Ah ouais, il y a du temps avant que ça. Ça y arrive. Ok. 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 Non, non, on va aller à. À Cilia. T'as eu un bouchon, sérieux là. Voilà, là il y a plus que deux petites troupes romaines là qui vont certainement pas faire long feu. Hein. Là je voulais rentrer à Rome au cas où. Qu'est-ce qu'il faut que je conquis? Ouais, ouais, ah ouais. Ouais, ouais, d'accord. Ah oui, c'est. C'est pas facile, il va falloir conquérir. Hein. Bon. Rome qui tente, le tout pour le tout. Rome qui ne sera plus. Réduit en esclavage. Et là, ils ont encore une toute petite troupe pourrie de rien du tout. Ah, mais attends. Il y a les Suèves qui viennent m'enquiquiner. Paiement. Ils me proposent un paiement. J'accepte. Donc faire attention, il y a les Suèves qui... un peu embêtant. On va se méfier. Non. Ah. Parti populiste. On chier déjà. Bon. Syracuse est à côté et un de mes greniers, donc je vais reprendre. Bien évidemment, rapidement, le plus rapidement possible. J'occupe. J'ai bien fait de pas faire de construction. Ici. Le blocus. Une direction également là-bas. Je vis pour servir pour l'honneur et la gloire suprême. J'irai au bout du monde pour Carthage. Là, je vais aller chercher, j'en ai un à secouer. De passer chez Massilien ou pas. Il resterait apparemment quelques troupes. Je me moque que vous soyez fatigué. Moi, je peux dissoudre l'ensemble. Il resterait quelques troupes romaines. C'est où? Non, c'est pas comme ça qu'il faut les voir. C'est ici. Ils sont dans la mer Adriatique. Ok, ok, ok. Bon, on les attend. Les attendent. Puis ferme. Ah ouais, d'accord.
Ah, ils ont abandonné leur prise ici, d'accord. Déconnez pas les gars. Je vais recruter un... Je peux pas? Ah bah mince. Je vais recruter un champion avec des bonnes stats. Bah y a pas de champion avec des bonnes stats. C'est con. Allez. Est-ce que je vais vraiment embêter Massilia de suite? J'ai pas vraiment envie de les embêter de suite hein, non plus. Surtout avec les Suèves, je sais pas trop ce qu'ils font là. Les Suèves, ils font quoi? Ah. Oh l'enfoiré. Ok, on va aller embêter les Suèves. Changement de plan, on va aller embêter les Suèves. Avec mes agents. Il me l'a tué ou il me l'a blessé? Tué. D'accord. Peste. Non, c'est bon. Ah bah sinon c'est pas drôle hein. Sinon c'est pas drôle. Bon. Voyons voir à ce qu'il paraît. Toi, tu m'as tué un de mes agents. Tu peux pas l'assassiner? Comment ça, je peux pas l'assassiner? Tu peux me dire qu'il a pas le... Tu peux me dire qu'il a rien pour assassiner quelqu'un, lui? Soit. Pas bien grave, je vais l'envoyer ici. Voler de la nourriture. Lui, je vais l'envoyer ici. Voler de l'argent. Et lui, je vais l'envoyer ici. Ou quelque part par là-bas. Il a des sacrés territoires quand même. Pareil, voler de... Voler quelque chose. Ça fait quoi? Ça fait rien. J'en ai rien à foutre de ses mouvements, moi. Alors, Corsica Sardaigne. Ouais, parce que ça me rapporte bien. Tiens, là je vais hop, retirer l'édit et je vais le mettre en Italia. Récolte des impôts. D'ailleurs, ils sont où les derniers Romains? Ils sont là-bas. Là, je vais faire tomber Brandisium. Mode protection, on n'a pas besoin de prendre de risques. Et ici, je vais aller les chercher. Ils vont sûrement pouvoir fuir, mais bon. Oh, ils peuvent pas fuir. Oh, j'aime ça. Chance de victoire très élevée. Va libérer, ils peuvent pas fuir plus loin, donc ça me fait une classe 6 en moins. Est-ce qu'il leur reste? Il leur reste pas, c'est bien. Carthage s'est enfin débarrassé de Rome. Bien joué les Carthaginois, bien joué. Bien joué les gars. Ça qu'on aime. Là, la direction de Lilibaum. On va développer l'Italia parce qu'en Italia, t'as ça, donc t'as plus 15% de richesse provenant de toutes les ressources. Et t'as Vésuve. Ah bah tiens, je crois que ça a donné des bonus par rapport à la culture, mais pas du tout. Ça doit être un autre mode de jeu. Un autre mode. Pas la grande campagne, quoi. Je sais pas trop ce que c'est, mais ça doit pas être ça. Il y a des esclaves ici, ouais, Carthago Nova. Ah, ils vont reprendre Tingis, mais ils vont reprendre leur possession. Pourquoi ils sont barrés, là?
Pacte de non-agression. Oui. On m'en fout. Hein. Surtout, tu vas te faire fumer, donc. Bon, les Suèves, ils vont encore me faire chier avec mes agents. Là, je le sens, venir, mais gros comme une maison. Sachant que ces agents, en plus, le pire, c'est qu'ils ont un niveau plus bas que les miens. Et qu'ils arrivent à m'en débarrasser, se débarrasser des miens, ça m'énerve. Donc c'est pour ça que j'attends avec impatience d'avoir un espion qui pourrait avoir une compétence d'assassinat. Me débarrasser de ces enfoirés. Ok, tentative d'assassinat, on le voit, hein, regardez. Hein, tentative d'assassinat là sur mon juge. C'est pas genre. Tu vois venir toi. Bon, volez-lui au moins toute la bouffe que vous avez. La vache, il est pestiféré lui ou. Sabotage. Ah ouais, d'accord. Bon, il y a la peste aussi là-bas. Ça. Ça, ça. Et. Ah bah, j'ai plus d'argent pour. On va reprendre Cosentia. Cosentia, c'est bon. Et prendre l'Ilibéum. Quelques-unes de leurs troupes qui fuient. J'ai peur qu'ils recrutent du mercenaire. Merde. J'ai peur qu'ils recrutent du mercenaire local, donc je vais recruter moi-même les mercenaires locaux avant qu'il les recrute lui. Voilà. Là il va essayer de se défendre là je suppose. Les esclaves quoi. Les séparatistes, comme prévu, ils ont recruté du mercenaire. Heureusement, cette fois, je l'ai vu venir. Ouais, 1500 quand même, hein, je libère. Ok, commerce, ça me rapporte pas mal. J'ai beaucoup de nouvelles unités, ça me plaît. Là-bas, ici, voyons. Ouais. Ouais. Culture, culture. J'en ai deux sur la culture, j'en ai trois sur la culture. La vache. 200. 100. Mais là j'ai du taux de recherche avec l'académie aussi. La bibliothèque. Ils vont chercher à prendre la police peut-être. Bon après. On a toute la garnison, hein. Ils vont pas la prendre comme ça non plus. Ok. Là, on est vraiment sur la reconstruction. Hein. Non, je n'ai pas. J'ai quelque chose, mais que je n'ai pas.
Les Magonides, tiens, ils sont de retour. Ça y est, on a fait le tour complet des factions. Les SUF qui essaie de me dérober, mais bah, il a réussi. Il m'a dérobé un juge supplémentaire. Il doit être aux alentours des 70%, 50-70% de taux pour massacrer ou un truc comme ça. Rang supérieur. Ouais. Mortel. Assassinat. Oh, c'est tout? Bon, essaye quand même. L'autre il est rang élevé quand même. Bon, il est blessé seulement. Mais au moins il me fera plus chier pendant quelques tours. Là, on est à combien là? 21% du taux d'imposition. C'est génial. On m'a porté un paquet. Hein. Ok. Ah, il va sur Alalia au final. Pourquoi pas? Allez, on dissout. On va payer moins d'entretien, beaucoup moins d'entretien. Ils ont pas bougé depuis le temps d'avant. C'est ok, ouais, bah pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Je vais les envoyer à Réminium. Oh, bah, l'ordre public ici, c'est pas ça. Hein. Pourtant. Il y a quelques bâtiments pour l'augmenter. Hein. Putain, et malgré tout ce que j'ai gagné en thunes grâce à Rome en les libérant, j'ai pas vraiment de côté. Hein. Il a récupéré de ses blessures. Impeccable. On va retourner au même endroit. Et fais ce que tu sais faire. Le mieux. Voler des thunes. Faction émerge. Ok. Ah, ça y est, il a repris Massilia, je crois. Pas du tout. Il a repris une partie de la Mauritanie, mais non, pas du tout, je croyais. Ok. Rome qui me rapporte tellement. La Magna Grecia aussi. Oh là là. Impressionnant. Rome qui me rapporte 4000. Alors que c'est loin d'être construit. C'est même pas ma culture. C'est génial. Ouais. C'est ça que je voulais faire. Toujours pas fini avec eux. Au moins c'est punique ici, ça c'est cool. Là aussi c'est bien punique, hein, comme il faut. 81, 60, ouais, ça c'est pas très élevé ici, ici ça va, ici ça doit être pas mal. 85. Ok. En vrai, je suis plutôt content, bon malgré le fait que j'ai perdu mon général, c'est chiant. J'ai perdu mon dirigeant de faction. On n'est pas si mal. Bon, les Suèves, ils ont encore essayé de m'assassiner quelqu'un. Est-ce qu'ils ont réussi, je ne sais pas. Échoué. Comment puis-je servir? Mais il a quand même été blessé. J'ai une chance sur quatre de le tuer. Blessé seulement. On va les tuer. Ça, on va passer parce que la République, c'est chiant. Indice de loyauté pour tout le monde, les partis. Ça commence à me saouler aussi. On passerait pas en royaume. Carrément passer en royaume, je crois. Hein.
Ordre public, ça me va un moment, mais passer sur royaume. Voilà, le royaume carthaginois. Voilà, je sais pas où il va se barrer, mais il va se barrer. Bon, il fait le tour de la Corse, quoi. Ah oui, il est même parti beaucoup, beaucoup plus loin. Hop, là, on va y aller tranquillement vers Brindisium. Et là, on va aller sur Ariminium. Est-ce que... Non, c'est pas lui. Tu me diras, je peux l'entraîner lui, hein, et c'est lui qui deviendra... C'est vraiment pas terrible, qui deviendra... Le gars plein d'autorité, mais bon. C'est pas ouf. Ça, mais vraiment, c'est vraiment par dépit. Hein. Il n'y a pas mieux. Hein. Allez, moi, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Et je vous propose de me retrouver très bientôt. Non. Pour le prochain. Un grand merci à tous d'avoir suivi. Ah, arrêtez! C'était... Job? Hein? Ok. Bon bah... Ciao!